Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78, édition spéciale du 7-8. 5 émissions, 5 thématiques à découvrir d'ici au 1er janvier. Politique, environnement, sport, culture et ce soir, économie. Bonsoir Alice Gastine. Bonsoir Wilfried. C'est avec vous que nous parlons économie. Il y aura 2 invités pour nous accompagner ce soir. Oui, tout à fait. Il y aura Stéphane Quelian qui est directeur marketing et communication de One Nation Paris au Clay-sous-Bois. C'est un nouveau centre commercial qui est en train de sortir de terre. Et Bertrand Decré qui est déjà en plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF. Dans les Yvelines. Et avant d'évoquer notamment les négociations sur l'emploi qui se sont tenues fin décembre et qui se sont soldées sur un échec, le point sur la situation à PSA, Peugeot, Citroën, un constructeur très implanté dans le département. Oui, 2012, année forte dans le secteur de l'automobile, notamment avec le mondial de l'auto qui a vu défiler plus d'1 200 000 visiteurs. Côté salarié, vous en parliez sur notre territoire, PSA a annoncé 8 000 suppressions de postes. La mobilisation ne s'essouffle pas au pôle tertiaire de Poissy. Peut-être qu'on peut voir ces images qui datent du 12 décembre, mobilisation à l'appel de la CGT qui remet donc en question le plan de suppression des 8 000 postes à PSA. Voilà. Chez Renault aussi, il y a eu des grèves, des débrayages qui ont rythmé cette fin d'année. Regardez ce reportage réalisé le 4 octobre dernier. Avec le lancement de la nouvelle Renault Clio 4 et de la Zoé, la voiture électrique de la marque, le rendement de l'usine de Flins augmente, mais les salariés sont confrontés à un manque d'effectifs, selon les syndicats présents aux portes du centre ce jeudi midi. On est en colère parce que il faut, si on veut fabriquer correctement des voitures, il faut du personnel. Et entre les gars qui morflent sur les chaînes, etc., d'un côté, et ceux qui morflent du chômage à côté, c'est inadmissible. Et du coup, ça s'est exprimé vraiment par des arrêts de travail ce matin pour contraindre la direction à prendre l'effectif suffisant. Encore ce matin, il y a eu 1 h 30 d'arrêt de travail des caristes pour réclamer du personnel supplémentaire parce qu'ils n'arrivent pas à décharger les camions, ils n'arrivent pas à mettre les pièces là où il faut, etc. etc. Les salariés de Renault Flins se rendront mardi 9 octobre pour manifester au Mondial de l'Automobile avant de se joindre à un cortège national à l'appel des syndicats européens. Notre premier invité est donc Bertrand Decré, président du MEDEF dans les Yvelines. On attend donc votre réaction sur la situation dans l'automobile. Le département des Yvelines est le premier département automobile de France et il représente beaucoup d'emplois entre constructeurs et sous-traitants. Et on le voit, beaucoup d'emplois sont menacés. Quel est votre sentiment par rapport à ce marché? Inquiet, triste, parce que quand on voit une entreprise de cette taille, qui sont des entreprises emblématiques, arriver à telle situation, c'est inquiétant. Ce qui me préoccupe, alors je n'ai pas la compétence de vous dire pourquoi, comment, et ce n'est pas de mon ressort. Par contre, en tant que président de BFI Vinois, j'ai une inquiétude, et mon inquiétude va sur les entreprises sous-traitantes. Parce que c'est vrai que là, on a parlé des salariés de Peugeot et c'est très triste, mais il y a aussi toutes les entreprises qui collaborent à la PME qui participent à cette économie. Et là, il est un peu tôt pour en mesurer l'impact, mais j'ai quelques craintes quand même à ce sujet. Et les perspectives pour 2013 qui ne sont pas bonnes, puisqu'il y aurait 1 million de voitures en moins d'immatriculées par rapport à 2012, environ 11 millions de voitures immatriculées en 2013, ce sont les prévisions. Fin décembre, et malgré l'appel de François Hollande à trouver un compromis historique sur la réforme du marché du travail avant la fin de l'année 2012, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à trouver un accord à la fin du mois de décembre. De nouveaux rendez-vous sont prévus les 10 et 11 janvier. Objectif, meilleure sécurisation pour les salariés, plus de flexibilité pour les entreprises. On évoque un blocage plutôt du côté du MEDEF, qui n'aurait pas en tout cas satisfait les syndicats. On peut évoquer Bernard Thibault, par exemple, pour la CGT, qui déclarait fin décembre. Le MEDEF voulait nous faire avaler une espèce d'huile de ricin pour les fêtes de fin d'année en révolutionnant le code du travail. Facile, c'est toujours décevant. Ça semble difficile de se mettre d'accord, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, bon, permettez que je manque un peu de recul sur la fin, puisque l'information est tombée décembre, ce matin pour nous. Aujourd'hui, on a quand même face à nous des partenaires dogmatiques. Le MEDEF a fait des propositions qui vont dans l'intérêt de, alors, je dis bien de l'entreprise. De l'entreprise, parce que c'est... Ça ne veut pas dire forcément du salarié. Alors, contrairement à cela, si,
Si, parce que quand on s'accroche sur une flexibilité claire, sur une baisse des charges, des salaires, ça ne veut pas dire moins de pouvoir d'achat pour le salarié. Au contraire, moins de sécurité dans l'emploi peut-être aussi. Mais la sécurité, elle passe par quoi ? La sécurité, elle ne passe pas. L'emploi, c'est pas une chose stable. C'est si une entreprise a besoin de faire appel à des contrats à temps partiel, alors si elle en a besoin, si c'est une nécessité, si demain elle meurt. Si demain on en arrive à fermer l'usine, eh bien tout le monde est perdant. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il faut aller sur des accords gagnant-gagnant. C'est que l'entreprise, à des moments, l'économie, on l'a appris, subit des crises qui sont souvent inattendues. Nos meilleurs spécialistes en 2005 n'avaient pas prévu 2008. Et on a eu affaire face à une crise terrible, mondiale, qui est partie d'ailleurs outre-mer. Et il a fallu réagir. Et à ce moment-là, comment fait-on ? Alors, on ne peut pas toujours maintenir, il faut savoir s'adapter. La flexibilité et l'adaptation seront une règle pour demain, pour tout le monde. Et ça veut dire que les salariés vont devoir comprendre que du jour au lendemain, on peut leur dire, pour les besoins de l'entreprise, écoutez, vous n'avez plus d'emploi. C'est pas aussi clair que ça, c'est pas ça. Parce que c'est ça, dans l'esprit en tout cas des syndicats, l'esprit des salariés aujourd'hui, c'est ça l'inquiétude principale aujourd'hui. C'est de se dire, demain, s'il y a des accords, des négociations et qu'elles aboutissent à ces réformes-là qui sont souhaitées, en tout cas plus ou moins par le MEDEF, demain, je pourrais perdre mon emploi parce qu'on va m'expliquer que pour l'entreprise, c'est mieux. Mais si demain, on ferme l'usine définitivement, on perdra tous les emplois. Donc c'est la solution du moins pire. Non, c'est la solution qui est de l'adaptation. C'est passons la crise. Et faisons un effort pendant une période déterminée. Reprenons ensemble la compétitivité. Ensemble, trouvons les moyens de la croissance. Gagnons. Et l'emploi sera développé pour tout le monde. Par contre, le jour où on aura fermé et que l'usine sera terminée ou que la société sera morte, il n'y aura plus d'emploi pour personne. Alors malgré le blocage de ces négociations, François Hollande pense pouvoir inverser la courbe du chômage fin 2013. Il l'a dit le 21 décembre dernier sur Europe 1. Le chômage, justement, on en parle. Pôle emploi vient d'ouvrir un espace dédié aux cadres dans sa récente agence de Guyancourt. C'était fin octobre. On regarde le reportage réalisé par la rédaction à cette occasion. Les 2500 cadres en recherche d'emploi du Sud Yvelines ont désormais une agence à leur écoute. Une antenne Pôle emploi dédiée à ce marché a ouvert ses portes à Guyancourt. Un véritable besoin, 70% des postes recherchés sur le secteur ont un niveau supérieur au bac. Le marché de l'emploi des cadres est un marché assez spécifique, qui est à la fois très technique, sur lequel on a besoin d'une expertise pointue, pour travailler avec les demandes d'emploi cadres, mais aussi avec les entreprises. Et c'est aussi un marché qui est relativement caché. La plupart des recrutements des cadres s'effectuent par cooptation, réseau ou candidature spontanée. Mais certains postes ne trouvent pas preneurs et souvent les entreprises ignorent que Pôle emploi peut leur trouver des candidats. Cette nouvelle agence permettra de renforcer cette intervention auprès des entreprises tout en multipliant les opportunités pour les cadres. Premier objectif, c'est de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Certains ont un parcours atypique dans l'emploi et n'ont jamais eu besoin de rechercher un emploi. Se retrouvent en position de senior de recherche d'emploi. Donc là, en fait, on va adapter nos outils à leurs besoins. Les 21 agents de Guyancourt mettent en place des ateliers CV, y compris en anglais, mais aussi des ateliers vidéo pour apprendre à se vendre et à convaincre lors d'un entretien. D'autres ateliers plus spécifiques d'une durée de 6 mois accompagnent les seniors de plus de 50 ans afin de pénétrer le marché de l'emploi caché. Il y a une majorité de seniors qui sont cadres et qui sont inscrits dans les agences. D'où la nécessité de cette création pour pouvoir faire une affectation et un ciblage des besoins. Sur le secteur du Sud Yvelines que gère l'agence, plus de 35% des cadres en recherche d'emploi sont des seniors hautement qualifiés. Cette nouvelle antenne vient renforcer celle de Saint-Germain-en-Laye, également réservée à l'emploi des cadres du département. Bertrand Decret, juste une réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir sur cette agence spécialisée pour les cadres pour Pôle emploi. C'est une bonne chose déjà en tout cas ? C'est une très bonne chose. Nous travaillons bien sûr avec Pôle emploi, je connais M. Degrise et c'est une très bonne chose. Je ne peux que saluer ce genre d'initiative. Dans cette édition spéciale du 7-8, nous revenons sur les grands dossiers de l'économie de 2012, ceux qui feront l'actualité aussi en 2013. Mais forcément, je vais vous demander de votre sentiment. Quel bilan vous faites, vous, en tant que président du MEDEF dans le département, et puis chef d'entreprise également, de cette année 2012? Ça a été finalement moins pire que prévu? Écoutez, j'aurais envie de vous le dire. Je voudrais faire la part des choses entre les grands événements, l'actualité nationale et internationale, qui n'est pas de mon ressort et de ma compétence, et plus l'activité sur le département.
Nous avons la chance, égoïstement, en Yvelines, d'avoir un département qui est moins touché, où le taux de chômage est moins important que la moyenne nationale. Et somme toute, mes adhérents sont inquiets, mais... Mais voilà, on peut dire que les affaires ne vont pas si mal que ça. Vous savez, le problème, moi, aujourd'hui, il est de deux sortes. Il est d'abord une inquiétude des chefs d'entreprise. Et le moral est quelque chose de fondamental dans l'entreprise. Parce que, juste un petit aparté là-dessus, on vous parle de Peugeot, etc., des grosses entreprises, mais la France est un pays de PME, je ne cesse de le répéter. Et les patrons français sont d'anciens salariés qui ont créé leur entreprise, qui ont tout misé, qui ont une énergie colossale et qui créent de l'emploi, qui créent leurs entreprises. Quand ils n'ont pas le moral, quand ils n'ont plus confiance en l'avenir, eh ben, on peut avoir des risques d'infléchissement de cette croissance, enfin de ce développement. D'autres choses, l'autre fait marquant, c'est la difficulté d'accession au crédit. Ça, c'est les banques ont fermé un peu les robinets et on sait que pour se développer, nous avons besoin d'argent. Ça, c'est l'autre inquiétude. C'est l'autre fait marquant de cette période. Enfin, c'était également vrai en 2011. Il y a un dossier aussi peut-être, c'est la question de la CFE qui en 2012 a beaucoup touché les PME et les TPE, les très petites entreprises. Oui, la CFE, c'est cette cotisation foncière des entreprises, un impôt qui depuis 2010, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a remplacé la taxe professionnelle. Alors il y a eu une levée de bouclier de la part des commerçants, des chefs d'entreprise, des PME, qu'ils soient MEDEF ou CGPME d'ailleurs, parce qu'il y a eu des hausses enregistrées notamment sur l'agglomération, et puis le vote du budget de l'agglomération a permis de revoir les barèmes. Donc peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus parce que vous avez agi dans ce sens. Tout d'abord, le CFE, elle touche indifféremment les entreprises selon leur taille et leur chiffre d'affaires et leur emplacement. À cet effet, je dois saluer, puisqu'on est sur Saint-Quentin, l'attitude de la communauté agglo de Saint-Quentin et M. Cadalbert. Immédiatement, quand nous étions informés par nos adhérents, nous sommes bien sûr, nous avons rempli notre rôle et c'est notre rôle. On voit sur ces images la mobilisation des chefs d'entreprise. Nous sommes allés rencontrer les élus qui ont écouté et qui ont réagi. Et je dois saluer ce bel exemple, justement. Alors, les fâcheux diront que ce n'est pas assez. Mais c'est-à-dire que les tranches ont été revues et abaissées. Exactement. Et sous l'action du MEDEF, justement, en discussion avec les élus, il y a eu un geste civique qui a été fait. Alors, certains vous diront insuffisant, n'empêche qu'il faut quand même le saluer. Une toute dernière question, puisque nous sommes pris par le temps sur cette édition spéciale du 7-8, on parlera des centres commerciaux dans quelques minutes. Juste une dernière question, quand vous voyez partir des fortunes de France, alors on peut citer le cas de Depardieu qui a fait beaucoup parler, ce n'est pas un chef d'entreprise, il y en a un autre. C'est le cas de Bernard Arnault pour LVMH qui souhaitait obtenir la nationalité belge, c'est un peu compliqué pour lui. Vous vous dites que c'est la faute de l'État français, la faute de la politique actuellement ? C'est la faute de l'État et du climat, et c'est très triste. Et on peut le regretter, mais on le comprend. Quand France, une campagne dans laquelle un candidat à l'élection présidentielle diabolise les patrons en disant qu'il faut leur prendre la poche, un climat dans lequel les patrons sont vilipendés comme en fait les prédateurs de la société, il est compréhensible qu'à un certain moment, certains en aient assez. Et même parmi les... Alors, on parle des gros... Je ne connais pas ni M. Arnault, ni l'acteur Depardieu, pas plus que cela. Mais je vois autour de moi des patrons qui ont créé leur entreprise, qui se sont battus... Pensent à partir ? Mais ils se sont pas. D'abord, ils ne le peuvent pas au début, mais ils le pensent. Ils aimeraient bien parce que mettez-vous à leur place. Ces gens-là ne sont au début jamais rémunérés, très peu. Mais quand on parle de solidarité aujourd'hui, même si c'est qu'un moment difficile à passer, c'est ce qu'explique le gouvernement. Quelle solidarité y a-t-il pour des hommes qui sont vilipendés, des hommes et des femmes qui sont vilipendés à longueur de temps, qui voient leurs outils dépérir et qui sont toujours taxés davantage et toujours plus. On leur demande d'être solidaires, mais à un moment, quand ils travaillent 80 heures par semaine, quand d'autres en travaillent 35, qu'ils investissent leur bien personnel et qu'ils savent qu'au moindre écart, ils perdront tout, qu'ils n'auront droit à aucune protection. Mais là, on parle aussi d'entreprises qui sont chômage. Au CAC 40, par exemple, entreprises qui se portent très bien et qui engrangent beaucoup de bénéfices. Le CAC 40, monsieur, c'est 40 entreprises. Alors, vous parlez de 40 entreprises. Moi, je vous parle des millions d'autres entreprises. Je vous parle du cœur de notre métier. Je vous parle de ceux qui constituent la France et ceux qui font l'emploi. Alors, les entreprises multinationales, les CAC 40, c'est 40, oui, dont acte. Mais les nôtres, nos PME, avec ceux qui sont mes adhérents, ceux avec qui je discute, mais c'est justement ce manque de confiance dont on parlait tout à l'heure. C'est ce fait on ne peut pas toujours... Ce sont des hommes et des femmes qui sont non pas des héritiers de droit divin. Ils sont d'anciens salariés qui ont créé leur boîte, qui ont créé leur entreprise, qui ont donné énormément... Et qui ont le sentiment de
ne plus être aimés aujourd'hui. Et qui sont détestés. France. C'est voilà. ce que vous nous expliquiez aujourd'hui. Merci Bertrand Decret d'être venu sur ce plateau. Le 7-8 édition spéciale économie va se poursuivre. Alice, on va recevoir un autre invité sur ce plateau. Juste la parole aux Saint-Quentinois. Que vous souhaitez pour 2013 ? Vos réponses, juste Bertrand Decret, on peut vous souhaiter quoi pour 2013 ? Moins de charges pour nos entreprises. On va voir si les 50 mois partagent ce souhait pour l'année prochaine. Bonne santé surtout, la bonne santé. Pour moi, ce serait vraiment la bonne santé. Déjà, je vais bien, je suis en bonne santé et je le souhaite la même chose pour tout le monde. Bonne santé. La santé, ça serait bien, mais enfin, là, on est vraiment... on est en fin de course, hein. Courage, force et puis réussite dans la vie. La santé, le bonheur, moins de misère. Est vraiment du travail pour les jeunes. Plein de bonheur pour tout le monde. Ah, que tout aille mieux dans le monde. Voilà. Qu'il y ait plus de solidarité surtout. Et qu'il y ait moins de chômage. Que la France aille mieux d'un point de vue économique et tout ça. Vive. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui meurent de faim, les enfants qui meurent de faim et tout. Pour les aider aussi, ce serait bien aussi. Bonsoir à Stéphane Quelion. Vous êtes directeur marketing et communication d'un futur centre commercial au Clay-sous-Bois. Que peut-on vous souhaiter pour 2013 ? Beaucoup de succès. Alors nous abordons à présent un enjeu important sur notre territoire. En 2013, l'essor des centres commerciaux, on pourrait même parler de bataille, hein, tant il y en a diverses, mais certains s'affichent sur les mêmes secteurs. C'est le cas de One Nation Paris, avec vous que vous représentez, qui est en train de sortir de terre au Clay-sous-Bois. Le chantier avance vite d'ailleurs. Face à vous, SkyWest à Montigny, qui va se transformer en futur donc carré privé ouest. Et les responsables étaient invités en plateau, mais ont décliné l'invitation au dernier moment. Donc vous voilà seul en plateau pour parler de ce projet. Alors pour commencer, parlez-nous du concept, c'est de l'outlet de luxe. Alors absolument, c'est un outlet de luxe. Un outlet, finalement, c'est ce qu'on appelle aussi un centre de marque. C'est un espace commercial où de belles marques, notamment des marques de mode ou de luxe, viennent proposer les collections de l'année précédente. Et en proposant les collections de l'année précédente, ils proposent un discount, une remise comprise entre 30, voire plus, jusqu'à 70% en période de solde. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens n'ont pas envie d'avoir la dernière collection ? Quelle est la mentalité de la clientèle ? C'est un extraordinaire succès. Et nous, on pense que le concept de l'outlet premium est promis un très bel avenir, un très fort développement. Parce que finalement, c'est de l'achat malin par excellence. Et aujourd'hui, on sait tous qu'on a très envie d'accéder à des beaux produits et que, compte tenu de notre pouvoir d'achat, on est obligé d'arbitrer un certain nombre de marques, un certain nombre de dépenses. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir proposer un produit dont la marque est flatteuse, qui est connue, reconnue, en faisant une bonne affaire. Est-ce que vous pouvez citer une ou deux marques qui s'installeront ? Est-ce que beaucoup d'enseignes ont déjà signé ? Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir 140 marques, grosso modo, dans moins d'un an. On a dépassé le cap des 70 marques qui nous ont rejointes. Alors, c'est toujours très compliqué de les citer. Oui. Non pas qu'on n'a pas envie de le faire, bien au contraire. Mais c'est signé, c'est acté. Voilà, c'est acté. C'est sûr. Avec une clause de confidentialité. Voilà. Et en fait, c'est les marques qui souhaitent garder la maîtrise de leur communication. Bon, néanmoins, on a eu l'occasion de... Vous l'avez peut-être vu dans la presse récemment, de citer trois marques qui ont, elles, accepté qu'on prenne la parole pour elles. C'est Agnès B., j'imagine que vous connaissez. Oui. Liugio, qui est une marque italienne... qu'on trouve rue Saint-Honoré, par exemple, à Paris et ailleurs. Et une autre marque française qui s'appelle American Vintage. Qui est une marque marseillaise, absolument. Ça semble vous faire plaisir, Alice, c'est surprenant. Et qui est présente, par exemple, dans le quartier du Marais à Paris. Exactement. Quel investissement a été nécessaire pour déjà sortir un bâtiment de terre, hein, parce que là, par contre, on commençait de zéro, et puis faire venir ces enseignes. Alors, l'investissement initial pour construire le bâtiment qui fait 24 000 m² sur deux niveaux, c'est un gros objet immobilier, hein, sans doute un des principaux à naître dans les mois qui viennent, c'est 100 millions d'euros d'investissement. Aux normes environnementales aussi. Absolument, hein, plutôt HQE, même très vertueux en termes environnementaux, puisque ce sera le premier bâtiment à énergie positive. Donc l'énergie positive, pour faire simple, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc c'est très vertueux, ça nous semble indispensable en 2013 de pouvoir mettre la barre très haut en termes environnementaux. C'est une obligation aussi. Il y a beaucoup plus de normes aujourd'hui qu'auparavant. Oui, mais être énergie positive n'est pas une obligation. Mais c'est aussi un produit d'appel. C'est aussi pour donner une image verte à ce bâtiment et faire venir le public. C'est un supplément d'âme, je pense. Je pense que certaines marques y sont sensibles. Ce n'est pas obligatoire, néanmoins. Mais on a choisi de le faire, même si ça nous coûte plus que de simplement respecter les normes en vigueur. Est-ce que c'est un plus par rapport aux concurrents également ? Je ne sais pas. Se démarquer et faire venir peut-être par exemple ces marques qui seront toujours contentes de communiquer sur cet aspect bâtiment positif. Oui, partiellement, je crois, oui, effectivement.
C'est pas fondamental, je pense que c'est important. Peut-être que ça sera davantage sous la pression des visiteurs, des consommateurs, que simplement de la demande des marques. Nous avons intitulé cette séquence « Centres commerciaux, la bataille s'engage ». Vous le voyez affiché sur votre écran. Est-ce que la bataille est vraiment engagée? Est-ce qu'on est dans un conflit ouvert avec les différents centres commerciaux, alors, et notamment Carré-Prévost? Carré-Prévost n'est pas là aujourd'hui, c'est malheureusement, on ne peut pas échanger. En tout cas, de votre point de vue. De mon point de vue, je ne pense pas que nous soyons vraiment sur le même niveau que Carré-Prévost. Notre principal concurrent, il n'est pas dans les Yvelines, il est à l'autre, dans l'autre côté de Paris, il est à Marne-la-Vallée, qui s'appelle La Vallée Village, qui est installé depuis une dizaine d'années, qui est un outlet premium comme nous, on le sera également, sur un traitement architectural très différent, mais peut-être on pourra y revenir. Et finalement, nos concurrents, c'est plutôt La Vallée Village, mais plus loin, c'est aussi les ventes privées qu'on trouve sur Internet, hein, qui connaissent un fort succès. Ce sont les soldes qu'on peut trouver dans les grands magasins. Vous voyez, le périmètre de concurrence, finalement, il n'est pas forcément sur des gens qui font ou prétendent faire la même chose que nous, mais plus largement sur toutes les offres, finalement, d'achat malin qui peuvent être disponibles. Voilà, pour préciser les choses, en fait, SkyWest, qu'on voyait à l'antenne, deviendra Carré Privé West pour fin 2013. L'ouverture, aujourd'hui, est prévue fin 2013. Le bâtiment existe déjà, hein, contrairement Absolument. À votre projet. L'idée, c'est de tout refaire et d'attirer aussi de l'outlet de luxe. Donc, on est quand même sur le même créneau. Théoriquement, oui. Le modèle de l'outlet de luxe a besoin de quelque chose que nous, on va avoir, c'est l'ouverture le dimanche. L'ouverture le dimanche, c'est jusqu'à 30% du chiffre d'affaires réalisé par les marques. Et Carré Privé West, je ne connais pas, moi, la date réelle d'ouverture. Vous aurez l'autorisation. Nous, on est ouvert le dimanche. Et c'est avec une autorisation en règle, parce que ça fait forcément beaucoup débat. Ça fait débat ces temps-ci. Il suffit, finalement, de se rendre sur la zone de Clé-sous-Bois le dimanche pour constater que les Decathlon, que Alpha Park, que Castorama sont ouverts le dimanche. Il y a beaucoup de magasins aussi qui sont ouverts, mais qui préfèrent aussi payer des amendes et sans pour autant avoir les autorisations. En fait, la zone de plaisir est dans ce qu'on appelle le PUS, qui est un périmètre urbain de consommation exceptionnelle, qui nous permet l'ouverture de dimanche. Et c'est parce qu'on peut être ouvert le dimanche qu'on a choisi ce terrain-là. Vous ne seriez parce pas que, venu ici. Mais non, parce que c'est consubstantiel de l'économie de l'outlet, l'ouverture le dimanche. Et les marques qui nous reviennent aujourd'hui, elles le placent quasiment en argument numéro un. Vous avez mentionné Alpha Park, justement. Il y a beaucoup de centres commerciaux hein, sur le secteur qui ne sont pas forcément sur le même secteur que vous, le même registre que vous, mais il y en a beaucoup, Alpha Park, voilà, par exemple. Est-ce que c'est saturé actuellement la zone, selon vous? Il y a quand même beaucoup de centres commerciaux qui s'ouvrent. Vous mentionnez la zone de plaisir, énormément. Le forum de Coignières aussi. Voilà, hein, forum de Coignières un petit peu plus loin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, la zone de plaisir, c'est 20 millions de visiteurs par an. C'est une zone qui est extrêmement populaire, dynamique et depuis des années. Donc nous, on va se servir de ça pour avoir un trafic qui est déjà existant et qu'on va capter de manière plus aisée que si on devait s'installer au milieu de nulle part et créer du trafic. Maintenant, One Nation Paris n'est absolument pas comparable à des centres commerciaux traditionnels ou à ce qu'on appelle des retail parks comme Alpha Park. C'est vraiment un modèle très particulier, totalement unique. Si vous voulez, le monde du commerce, il connaît une profonde mutation. La galerie marchande avec un hypermarché et des magasins, ça suscite finalement de moins en moins d'adhésion. Parce que c'est un modèle qui a vécu, il faut se réinventer. L'outlet premium, donc une très belle variété de marques, avec des très bonnes affaires financières, et dans un environnement qui est flatteur, qui est très moderne, très contemporain, ça c'est une recette gagnante. Alors on voit à l'image, des images d'Alpha Park 2, c'est l'extension d'Alpha Park qui a été inaugurée en septembre avec le plus grand mur végétal d'Europe. On parlait d'écologie, se tourner vers l'environnement pour attirer plus de clientèle, c'est aussi l'option qu'a mise Alpha Park 2, on regarde ce reportage. 75 millions d'euros d'investissement pour réaliser ce centre commercial tourné vers l'écologie, c'est 10% de plus que pour une version classique et 15 ans d'amortissement nécessaire. Avec le plus grand mur végétal du monde, des jardins et un parking vert, l'extension d'Alpha Park 1 au Clé-sous-Bois mise sur une clientèle familiale. L'immobilier commercial, pendant des années, c'était des boîtes à chaussures en bardage pourri qui défiguraient les entrées de ville. Nous avons, nous, décidé d'investir dans le développement durable, nous avons décidé d'investir dans la qualité, car nous pensons que les clients, à l'époque du commerce électronique, vont continuer à venir dans des centres commerciaux, mais dans lesquels ils vont trouver un plaisir, qui est un plaisir de se promener, un plaisir d'aller faire du loisir. Une aire de pique-nique, des restaurants et des activités de bowling et de karting sont proposées. Face à une concurrence féroce, le choix du développement durable et du loisir s'est imposé. Il faut savoir innover en permanence pour apporter aux clients ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils souhaitent en fait. Les premiers clients étaient attendus mercredi matin, accueillis par des salariés recrutés le plus souvent localement. Au total, 700 emplois avec la première phase d'Alpha Park qui ont été destinés en priorité bien sûr aux
aux Clessiens, puisque donc nous avons même organisé des recrutements à l'intérieur de la ville. Tout près d'ici, un autre centre commercial est en train de sortir de terre. Positionné sur l'outlet de luxe, il devrait permettre la création d'une centaine d'emplois. Une centaine, on avait vu un peu petit, hein, finalement oui. Ce sera autour de 800 emplois. Rapidement, quel est le calendrier pour One Nation Paris? Alors, deux dates à retenir. La livraison des boutiques aux marques qui nous rejoignent, c'est en juin 2013. Et l'ouverture au grand public sera à l'automne 2013, vraisemblablement en octobre prochain. Et la crise ne vous fait pas peur? Au contraire, je pense que la crise, elle appelle de ce type d'initiative commerciale. Je pense que c'est une très bonne fenêtre de tir. Et on verra si vous avez ou non raison au cours de cette année 2013. C'est la fin de cette édition spéciale du 7-8 consacrée aux événements qui ont marqué 2012 et puis ceux qui vous attendent 2013 également en matière économique. Merci Alice. Merci. Je vous retrouve ainsi que l'ensemble de la rédaction dès le 2 janvier en direct à 18h avec de nouveaux invités. Toutes nos éditions spéciales de cette fin d'année sont à retrouver aussi sur notre site internet. Excellente soirée.